Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans le village de Resident Evil 8, évidemment, avec, cette fois-ci, une gameplay démo. Nous sommes sur PlayStation 5, c'est enregistré en 4K, c'est joué en 4K, monté en 4K et en 60 FPS. Donc, profitez de cette qualité, plongez-vous dans le noir, comme d'habitude, une paire d'écouteurs, un casque, bref, ce que vous voulez, un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver 30 minutes dans le village de Resident Evil 8 et j'ai vraiment hâte d'en découvrir encore un petit peu plus. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, un maximum de j'aime. Le let's play arrive très bientôt. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a donc un chronomètre de 30 minutes en haut à droite. Chronomètre un peu frustrant parce que s'il est tout le temps affiché, je vais me concentrer dessus, ça va être terrible pour essayer d'en découvrir le plus possible. Mais c'est pas grave, on va quand même y aller, évidemment. J'espère que vous êtes prêts, donc on se retrouve 30 minutes à partir du moment où j'ai appuyé sur croix ensemble au minimum. On y va, démo qu'ils ont appelé Village, comme le nom, évidemment, de ce Resident Evil 8. C'est parti. Ok. J'ai le choix entre facile, standard, hardcore. On va le faire en standard. Cette démo est donc limitée à 30 minutes de jeu. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Et cette démo ne permet pas de sauvegarder, de charger la partie. Allez, on y va. Plongez-vous dans le noir. C'est parti. À la recherche de sa fille Rose, qui a été enlevée, Ethan se retrouve dans un étrange village. Après quelques péripéties, il fait la rencontre d'une vieille femme. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Allez, on peut donc contrôler la vue. On n'a qu'une demi-heure à faire ensemble. Ils ont pris le meilleur de Resident Evil 4, le meilleur de Resident Evil 7, comme le moteur graphique RE Engine et Ethan, parce qu'on continue d'incarner Ethan, cette fois-ci à la recherche de notre fille. On ne sait pas pourquoi elle a été enlevée et encore moins par qui. Et donc, cette fois-ci, bien écoutez, on est dans un village entier et non plus chez les Baker. Cette serrure pourrait être crochetée. Très bien. Je sens, je vais faire très vite, je suis désolé. Pour essayer vraiment d'en découvrir le plus possible, on a un flux de chimie. Très très bien. Oh, pistolet! Ben oui. Alors, flèche de haut, couteau. Pistolet, flèche de gauche. Très très bien. On est parti. Alors, holy camp! Loup démoniaque légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. Très très bien. Bon, on a réussi à choper un petit truc très sympa. On a une arme dès le début. On a que 30 minutes, hein. Après ça se coupe et c'est terminé. Il suffit pas de relancer pour retourner dedans. Oh là là, c'est beau quand même, hein. Ça a de la gueule, hein. Le RE Engine, il est vraiment très très propre. Tellement de choses à vous dire. Resident Evil 9, déjà prévu évidemment. Le château à droite et à gauche. Lieu de cérémonie. Donc, ça va être une trilogie, Resident Evil 7, 8 et 9, où on suivra Ethan. Hâte de voir un petit peu, c'est verrouillé depuis l'autre côté, ça c'est très embêtant. Comment on fait déjà un retournement rapide? C'est comme ça. Yes, ça marche, nickel. Allez, je suis méga chaud. Ok, parfait, ça va être parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh, liseuse de bonne aventure peut-être, non? Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda.
Oh, je suis attiré, hein. Je suis attiré, mais j'ai pas envie de niquer nos 30 minutes si je meurs trop vite. Donc on va éviter de les détruire. Ok, ici on aura de toute évidence deux emplacements. J'imagine que ça mène au château. On a quelque chose ici. Ok. Les boots. Ma bite. Ça a l'air d'être un petit lieu de culte. Ok, un premier morceau, très très bien. Qu'avons-nous là? Ok, c'est parfaitement à l'autre bout. Très bien, c'est à l'autre bout. Oh, j'ai le seum parce que là où c'est très chiant ce qu'ils ont fait pour le coup, c'est que... Ah oh ouais, d'accord. Le champ de... le champ Jachère. Va falloir le traverser. Là où j'ai le seum, c'est que... Ah! What? Ok, c'est plein de farine. Je veux cette caisse et je l'aurai. Ok, poudre noire, c'est dans la poche. Waouh. Donc je traverse, j'ai pas le choix. Touché. Ah, ah. Oh. Dans la tête. Meurs, frérot, non. Non, tu forces, gros. Hé, j'ai 30 minutes, hein. Ah oui, non, tu t'abuses, gros. Oh, j'ai pas beaucoup de temps, moi. Quoi? Ok. On a peut-être un petit bail. Bonsoir. La ferraille, très bien. Ok. Oh là là. Alors. Bougez pas. Oh, je suis tellement content de retrouver cet inventaire à la Resident Evil 4. Ça m'excite au plus haut point, je vous le dis. Et, on va vraiment essayer de bombarder pour en découvrir le plus possible. Encore ? J'y vais. Fermez la porte ! Vite ! Ok. J'ai bien fait. Hé ! Vous faites quoi ici ? Oh! Je l'avais pas vu! Vous faites pas de mal! Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ok. J'étais pourtant sûr d'avoir activé les sous-titres. Alors s'il vous plaît, j'aimerais retrouver les sous-titres, évidemment. Affichage, peu importe, sous-titres, bah voilà. Alors, faut pas me les désactiver les potes, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, lui il est dans un sale état, je suis désolé papy. Quand le jeu complet sera sorti, je prendrai le temps pour toi. Mais là, oh. 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 On va recharge, on sait jamais sur un malentendu. Il faut un objet, mince. Caca. Ok. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de petites interactions.
Là, il y a rien du tout. On n'a pas une petite lampe. Quelque chose. Vite. Ok. Bon. Il y a un frérot Baker ou pas là-dedans? C'est des toilettes. On ne peut plus classique. Dégueulasse, mais on ne peut plus classique. Ok. Alors attendez, bougez pas. Chose très importante. On va fabriquer. On va fabriquer ça. Ok. Donc j'en ai deux. Très bien. On y va. On a quelque chose, regardez, une chèvre. Non? Non, on a quelque chose. Oh, c'est le dernier. Ok, c'est la dernière partie. Donc je suppose qu'il va nous falloir, comme par hasard, quelque chose qui est dans cette maison. Oh, c'est pas vrai, les gars. Oh. Non, déconnez pas, il faut pas que je perde trop de temps. Il faut vraiment pas que je perde trop de temps. Par où je peux passer les toilettes, vous croyez? Oh, ça me paraît cocasse, hein. Ah, attendez. Non, c'est pour fermer. Alors là, j'ai pas saisi. Oh non, je peux pas monter là, ça veut dire que... Ok, donc réfléchissons 5 minutes. Peut-être comme ça. Ça va m'offrir quelque chose, je ne sais pas. Venez, c'est ouvert. Ok. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, ouais, c'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Vous inquiétez pas, monsieur, on va trouver une pharmacie dans ce village. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Liliane, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous! Allons, ces gens sont nos amis! Allez-y, entrez! Venez, par ici! Vous n'êtes pas de ce village? Non, moi c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Oh mon Dieu, on a retrouvé Lulian! Restez ici, je vais voir les autres. On est donc bel et bien dans le village de Gonfreville! On nous l'a caché depuis si longtemps. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Donc, Miranda, c'est la grande dame que vous avez vue dans la démo précédente, n'est-ce pas? Ok, donc très belle photo souvenir qu'on a là. Je reconnais, c'est quand même assez beau. Hein. Ça, c'est... Le photographe exceptionnel hein, de ce village. Hein. Oh là là, ça ne s'arrête pas, dites donc. C'est sublime. Ce moulin en choquera plus d'un, je peux vous le dire. Hein. Ok. Petite sacoche Louis V, sac Gucci, on est bien. Bonsoir. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui? Ah oui. Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous.
Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana... Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena! Non! Y'a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Non! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. Bon, bah, papa, Elena, c'est fait, hein, s'échapper de la maison maintenant. Il faut que je trouve ce putain de pendentif, là, la con, pour ouvrir une nouvelle pièce. Aïe, je suis tellement navré de passer aussi vite, d'aller le plus vite possible. Mais on n'a pas trop le choix, en 30 minutes, je vais en découvrir un maximum. Sans trop me spoiler, mais là, je vous avoue que je l'attends depuis tellement longtemps. C'est Resident Evil 8 que, honnêtement... Oh. Ok.
Ça va. Et franchement, ils sont sympas. Parce que j'étais en train de me dire, putain, c'est con, j'ai niqué 3 balles pour rien. Si j'avais su, quoi qu'il arrive, il allait mourir comme ça ou tomber comme ça. Et ils les ont pas comptés. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pas... Pardon ? C'est pas pervers. Je prends. Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Encore ? Incroyable. Incroyable. Hop. Voilà, c'est fait. Ok, on a rien. On a rien. Vous croyez qu'on va prendre le pont de Elena ? Ce serait cool dans cette petite démo. Oh ! Des écus ! Incroyable. Si tu as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans le porte-clés. Ah ? Tournevis dans le porte-clés. Ok. Tournevis dans le porte-clés. Je reconnais ça, ça sent l'oignon. Pomme de terre. Tellement hâte que le jeu sorte, on va tout fouiller, vous imaginez même pas. Oh ! Clé du pick-up. D'accord. J'ai déjà... Ok, j'ai déjà ma petite idée. Eh, pas à moi, Zinedine. Hein. Pas à moi. Hein. Attends. Voilà. On est bon. Bon. Par contre, la clé du pick-up, on s'en fout, apparemment. Très bien. On est bon. Merde ! Ah ! Le feu gagne du terrain ! Démarrer. Clé du pick-up, peut-être ? Ah mais attendez, mais j'ai pas trouvé ce qui m'intéresse. Terrible. Vous allez faire quoi ? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Allez, let's go ! Bon, ça passe, t'inquiète, je contrôle. Elena ? Elena ? Quoi ? Ethan, est-ce que ça va ? Ouais, il vient de se passer quoi ? Laissez-moi essayer. Ça brûle. On s'est retourné ou quoi ? On n'a pas le choix, faut monter. D'accord ? Il n'y a pas une putain de fenêtre à ouvrir. Bon, c'était nul ce qu'on a tenté. Je vous avoue que c'était pas le plus beau move que j'ai pu faire. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Ouais, Ethan, arrête de... Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Non, sois pas si con, t'as l'air sympa ! Mais... Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main ! Ouais, monte sur son dos ! Ethan, partez ! Sauvez votre fille ! Elena, regardez-moi ! Donnez-moi votre main ! Putain de merde ! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Elena, c'est horrible. Bon. Bah c'était un peu ma préférée, j'étais en mode putain, elle est bien, elle est mignonne la petite, tu vois. Je comprends pas. Mais moi non plus. Ouais, mais je me pose la même question, Ethan, je te le dis.
entre toi et moi, me pose les mêmes questions. T'es gentil comme tout, putain! C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence? Merde! Je me demande vraiment qu'est-ce que Chris, donc Chris Redfield, évidemment, a à voir là-dedans. Parce qu'il est dans le village aussi. Et ça, c'est assez terrible. Alors, on va essayer d'ouvrir tout cela. Et évidemment, petit tournevis, hop, et une petite vis, voilà. Mes couilles, la protection. Voilà, ça c'est fait. Hein. C'est fait. Pardon. Sheila, arrêtez! Merde, Bianca! C'est elle? Oh non, mais c'est pas la grande. C'était qui? C'était quoi? Mère Miranda. Bah, c'était Mère Miranda. Waouh! Ok. J'ai trouvé un bout de ferraille, c'est pour moi, les gars. Oh! Oh, il y a la dame un peu fofolle! Je l'adore, elle. C'est ma préférée. Attendez, on était rentré là-dedans? Bien sûr que non. Oh, Sukhoi. Le village a l'air assez grand. Oh lolo, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Maintenant, ça va chier. Miranda! J'arrive. Ok, une mine, carrément. Ok. What? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens ce que je viens de faire. Excusez-moi. J'aurais pu faire ça. La mort. Oh putain! Oui. La mort leur a tous rendu visite. Madame? Je suis là, hein. Les gars, quand on vise avec le pompe, la gâchette se durcit énormément. Et c'est totalement insane. Ok. Incroyable. Bon, vas-y, on va ouvrir. On arrête de perdre trop de temps. Ouais, c'est un délire. C'est trop stylé, c'est trop bien fait. Ok, bon, bougez pas. On va focus convenablement. Donc flèche de droite et flèche de bas pour la mine. Pardon? Oh non. Nom de Zeus, Marty. C'est pas par ici. C'est pas par ici, putain. Vite, je veux au moins tirer une fois avec ce pompe. Je veux pomper une fois, les gars. Une fois dans ce village. Ok. C'est par ici, c'est bon. C'est bon. Oh non, putain, les gars, j'ai pas le temps pour vos conneries, là. Yes. Très bien. Oh putain, c'est pas vrai. Voilà. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez-moi ce village! Je suis sûr que ça sera que le début du jeu. Oh, j'ai tellement hâte. C'est que le début du jeu, parce que là, Ethan se dit, putain, ça recommence, tu vois ou pas? Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? La vache. Oh non, c'est fini? Oh non! Oh, si j'avais su, j'aurais pris un peu plus mon temps, mais je vous ai dit, c'était terrible! Difficulté standard, temps de complétion, 25 minutes. Je pense que c'est le début du jeu, mais ça sera vraiment le tout début du jeu, à mon avis, qu'on vient de voir là. Pas les premières minutes non plus, mais genre au bout de 5-10 minutes de jeu, on n'a toujours pas vu le vendeur, on a trouvé quelques écus.
On a parlé à la dame. Ethan est très étonné de la situation actuelle. Le peu de survivants qu'il y a sont tous morts. On vient d'entendre parler de Miranda. C'est bizarre. Je pense qu'on est vraiment sur le début du jeu. Donc, réponse bientôt. 30 prochaines minutes seront jouables dans un autre endroit. Dans une semaine. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Ciao, ciao. When you're whining, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to to Louisa's house near the fields. Long, long ago. Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. All that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Et rendez-vous le 26 pour découvrir le château tous ensemble.